Ah, une intro vraiment excellente, digne de la série des Tekken. Enfin bref, bonjour tout le monde, c'est 6K. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on se retrouve sur PSP pour le test de Tekken Dark Resurrection. Alors, le jeu il est sorti en septembre 2008. Non, septembre 2006, le 13 septembre 2006 sur PSP, puis il est sorti un peu après sur le PlayStation Store. C'est un jeu édité et développé par Namco. Et bien sûr, c'est un jeu de combat, bien sûr, de la célèbre série des Tekken. Bref. Et bien sûr, c'est le premier jeu Tekken sur PSP. Et le deuxième jeu Tekken sur console portable. Le premier, c'était Tekken Advance, qui était disponible sur Game Boy Advance. D'ailleurs, je vous en ferai un test plus tard. Bref, et là, bien sûr, ils nous sortent ce Tekken sur PSP qui est rien d'autre qu'un Tekken 5. C'est Tekken 5 avec quelques améliorations et de nouveaux personnages. Donc, ça, je vous en parlerai plus tard. Alors, niveau mode de jeu, bien sûr, vous avez le mode combat rapide. Vous avez le mode combat rapide pour vous battre contre un adversaire assez rapidement. Vous avez le mode histoire qui désolé, qui raconte l'histoire du personnage. Désolé. Qui raconte l'histoire du personnage avant de s'inscrire au tournoi. Et bien sûr, vous devez battre le personnage jusqu'à battre le dernier boss et après savoir qu'est-ce qui se passe dès qu'il gagne le tournoi, quoi. Vous avez un mode arcade qui vous permet bien sûr de battre les personnages, enfin vos adversaires qu'on vous propose, etc. Vous avez un mode réseau. Alors déjà, petite chose à signaler dans le mode réseau, c'est que pour certains qui voient le mode réseau, ils pensent que c'est un jeu auquel on pourra jouer en réseau avec des copains ou en mode multijoueur via le ad hoc. Et bah détrompez-vous, certes il y a le truc ad hoc, mais le problème c'est juste pour transférer des données telles que les gosses ou les scores, etc. Mais c'est tout. C'est-à-dire pas de combat en réseau. Et ça c'est un peu un défaut, c'est vraiment dommage. On regrette vraiment. Et bien sûr, le mode dojo Tekken, c'est de tester ses capacités dans des dojos partout. Par contre là, j'aurais pas dû choisir ça, j'ai fait n'importe quoi. Ouais, normal. Mais là, j'aurais pas dû choisir ça. Bon, je vous montre vite fait, mais bon. Donc là, ça vous raconte un peu l'histoire, comme vous pouvez voir. Vous voyez. Bref, non, allez, j'ai pas le temps. Oh! Oh! Oui. Bon bref. Oui, au menu principal, et voilà, Oui, bien sûr, c'était tester ses capacités dans différents dojos qui sont situés un peu partout sur l'île. Bref. La mode attaque, alors c'est un mode qui est divisé en plusieurs modes, comme le mode survie, contre la montre, le mode. Il y a un mode aussi, il y a le mode aussi. Le mode. Par contre, je l'avais noté dans ma feuille. Mode Gold Rush, etc. Bref. Le classique mode entraînement. Les jeux bonus, ok, bien sûr, vous pouvez avoir des mini-jeux assez sympas comme le Tekken Bowling, etc. Ou le Chrono, je sais plus comment ça s'appelle, Tekken. Non, le Tekken Chrono, non, c'est Attaque Chrono, voilà, Attaque Chrono, voilà. Par contre, un défaut qui est vraiment dommage, c'est qu'il n'y a plus le Devil Witty, j'espère que ça prononce bien. J'espère que c'est bien ça, c'est le Devil Witty, ouais, c'est ça. Il y est plus dans ce Tekken Dark Resurrection. C'est vraiment dommage. Bon, en même temps, on se dit peut-être parce qu'il pouvait pas l'intégrer sur un UMD, parce qu'un UMD forcément c'est très limité. Et voilà. Donc voilà, mais bon, on va pas s'en plaindre, malgré tout le jeu a une bonne durée de vie, mais j'en parlerai plus tard. Alors bien sûr, le mode profil, c'est un mode qui vous permet de personnaliser votre personnage, et de gérer aussi vos données ghost. Mais c'est vraiment sympa parce que bien sûr, vous pouvez personnaliser votre personnage, le déguiser, etc. Vous avez droit à 4 costumes, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, les cinématiques qui vous permettent de voir les cinématiques du début et les cinématiques de fin de vos personnages préférés, etc. Ou des musiques.
d'écouter des musiques, bref, et les classiques options. Bref, assez parlé des modes, on va dans le mode d'histoire. Alors là, comme vous pouvez voir, vous avez un large choix de personnages. Vous en avez plus de 35, et ça c'est vraiment excellent. Personnages tout aussi charismatiques les uns que les autres. Et les deux nouveaux personnages que vous avez, c'est Lily, par exemple, c'est une monégasque qui a une technique de combat qui se rapproche, qui ressemble au jalet, je sais pas si je le prononce bien, j'avais noté dans une feuille. C'est le balai, excusez-moi. B-A-2-L-E-T. Et vous avez aussi Sergei Dragunov. Lui, il fait un peu peur. C'est un militaire russe. Sa technique de combat, c'est le Sambo. Personnellement, je sais pas ce que c'est, mais bon, bref. Je vais prendre Warang. Un personnage que j'aime bien. Moi, il y a trois personnages que je préfère dans Tekken. Enfin, mes trois personnages préférés de Tekken, c'est Warang, Marshall Law et Jin Kazama. De toute façon, que ce soit ces trois personnages ou les autres, ils sont quasiment tous aussi charismatiques les uns que les autres. Sauf par exemple le Paul Phoenix, par exemple, je trouve pas trop charismatique personnellement. Certains vont peut-être penser le contraire, mais pour moi il est pas très charismatique. Après voilà. Pourtant quand je vois, bon j'ai pas vu dans le classement dans Tekken 5 et dans celui-ci, dans Tekken 4, il était premier des combattants. Bizarre. Bref. Pourtant Paul Phoenix, moi j'ai du mal à le manipuler, j'ai du mal à jouer avec lui. Même Lily par exemple, Lily la monégasque. Qui est un personnage qui est largement facile à manipuler. Selon moi, c'est une personne qui est facilement. Qui est très facile à manier, contrairement à Paul Phoenix. D'ailleurs, Lily, c'est une personnage qui est assez. Qui est idéal pour les débutants dans les Tekken. Enfin, bref. Là, je vais combattre contre Xiaoyu, elle aussi qui est très charismatique. Pour moi, elle est charismatique. Bref, un truc aussi que j'aime pas dans Tekken, j'espère que je vais arriver. Un truc dans Tekken que j'aime pas, c'est ça. Attendez, je vais essayer. Ah voilà, vous voyez par exemple, là voilà, ça, c'est un truc que j'aime pas dans les Tekken. Vous avez vu, j'ai fait un perfect avec un seul bouton. J'ai juste appuyé sur un seul bouton et ça a fait un perfect. Vous voyez? Donc c'est vrai que c'est un jeu qui est assez facile. Bon, en même temps, ça date pas d'hier. Tekken a bien sûr la particularité d'être un jeu qui se veut accessible aussi bien aux néophytes qu'aux hardcore gamers de la première heure de Tekken. Mais voilà quoi. Moi c'est ses avantages, c'est bien pour les débutants. Mais moi personnellement j'aime pas, je trouve c'est un jeu de combat. Dès les premiers combattants, c'est un jeu de combat qui est très facile. Qui est assez facile. Alors par exemple, un Virtua Fighter ou un Tekken, certes les premiers combattants sont un peu faciles, mais au moins ils sont plutôt corsés. On fait certainement pas un perfect avec un seul bouton avec les premiers combattants, que ce soit dans Dead or Alive ou Tekken. Ou même dans Street Fighter ou dans Mortal Kombat. Mais voilà. C'est juste ça que j'aime pas. Enfin bref. Alors Bien sûr, niveau graphisme, comme vous pouvez voir, c'est vraiment bluffant. Les personnages, ils sont extrêmement bien faits. Les animations sont vraiment surprenantes. Les décors sont très soignés. L'animation des arrière-plans des décors aussi sont vraiment bluffants. Comme vous pouvez voir là, ce stage-là avec les loups. Cette arène-là avec les loups qui se rapprochent de vous. Après, ils s'écartent de vous quand ils s'approchent un peu trop près parce qu'ils ont peur. C'est vraiment sympa. Et bien sûr, le sol qui est destructible, c'est sympa, même si on est un peu loin d'un Dead or Alive avec les niveaux de destruction des décors. Bref. Mais pour la PSP, c'est vraiment sympa. Surtout que en combat, c'est du 60 images par seconde. Et ça, c'est vraiment bluffant. Quasiment partout, c'est du 60 images par seconde. À l'exception, bien sûr, des cinématiques que eux tournent à 30 images par seconde. C'est juste ça, mais sinon c'est vraiment bluffant. On se croirait quasiment sur PS2. Bon certes le jeu est un peu moins fin que sur PS2. En même temps c'est autant PSP oblige parce que je rappelle que la PSP est 10 fois moins puissante qu'une PS2. Le fait qu'on peut pas mettre des
d'émulation PS2 sur ça. Mais bon bref, en même temps à l'époque ça n'existait pas la PS2, mais bon bref. Enfin, là c'est vrai que j'ai dit un peu, j'ai dit une petite bêtise, mais bon bref. Non, ce que je disais c'est que voilà quoi, les jeux PS2, la qualité des jeux PS2, on aura du mal à le voir sur PSP. Mais cette version de Tekken se rapproche, et ça c'est se rapproche de la PS2, et ça c'est vraiment pas mal. Ce qui fait de lui l'un des meilleurs jeux de combat de la PSP. Et voilà. Bon là bien sûr, vous avez droit à 8 stages dans le mode de dojo. 8 ou 9 stages, si je dis pas... Enfin non, je crois que c'est 9 stages en comptant le boss de fin. Et bien sûr, à chaque minute de stage, vous affronterez un personnage clé dans la vie d'un personnage. Par exemple, Baek. Baek, c'est un personnage clé dans la vie de Warang. Ah, par contre, allez. Oh là là, il m'a battu. Bravo. Warang, j'aime bien sa technique de taekwondo. Je la trouve vraiment excellente. Oh là là. Allez, faut que j'essaie de le battre. Des fois dans Tekken, bon, c'est vrai que quand t'es par terre, les personnages ils t'enchaînent à fond. Après bon, certes quand je disais que qu'on fait qu'un perfect avec un seul bouton. Oh mince, il m'a battu. Quand on fait un perfect avec un seul bouton, certains vont me dire oui, mais là tu joues en mode moyen et cette version en mode hard, ce sera autre chose. Certes, je suis d'accord, mais dans d'autres jeux de combat comme Dead or Alive ou Virtua Fighter, même en mode moyen, essayez de faire un perfect avec un seul bouton, vous y arriverez pas. En tout cas, personnellement, moi j'y arrive pas. Bref. Moi d'être un pur hardcore gamer, peut-être, mais bon. Bref. Ensuite, niveau gameplay. Bon, certes, le jeu. Ce jeu de combat est assez technique, et ça y a pas de souci là-dessus, les commandes répondent assez bien, mais le souci c'est la croix directionnelle qui est vraiment pas adaptée pour ce style de jeu. Oh là là, il m'a encore battu. Car c'est vraiment agaçant quand on veut faire des arcs de cercle pour faire des techniques ou autre. Et ça c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Bon, en plus les joueurs japonais, par exemple, à l'époque, quand ils réservaient ce jeu, ils avaient droit à une croix qui était vraiment plus souple, qui était vraiment adaptée à ce style de jeu. Ça permettait d'avoir plus de sensations. Ce truc-là n'y était pas dans la version européenne, et c'est vraiment dommage. Après, bien sûr, on peut jouer avec le stick analogique, mais franchement, c'est pas évident parce que le stick analogique, il est vraiment petit et allez. Allez. Oh zut, il m'a encore battu. En plus, bon, là c'est un peu dommage, on peut pas choisir de nouveaux personnages. Mis à part recommencer depuis le début. Bref. Et par contre, où en étais-je? Oui, je parlais de la croix directionnelle. Avec le stick analogique, c'est vraiment pas évident. Donc voilà, c'est. Histoire par ça, c'est technique, en tout cas. Pour ceux qui ont déjà joué au Tekken sur PSP, enfin sur PS2, ils seront pas dépaysés. Bon, c'est juste le souci de la croix directionnelle, mais sinon ils seront pas trop dépaysés. Bref. C'est vrai, d'habitude les Tekken, on avait l'habitude de les voir dans les consoles de salon et encore pas dans les consoles portables. Mais on voit bien que Tekken, que ce soit sur console portable ou console de salon, Namco se débrouille très bien. On a pu le voir dans Tekken Advance. Certes, c'est pas au niveau d'une PS2 parce qu'en même temps la Game Boy Advance est encore bien moins, est vraiment moins puissante qu'une PS2, qu'une PS1 même. Bref, non, qu'une PS1 plutôt. Elle est vraiment moins puissante, mais bon. Attention, allez. Allez, faut que j'essaie de le battre là. Il me rattrape. Allez, on sent. Allez, olé. Oh, c'est pas possible, crotte. Bref,
En plus, j'ai Mais obligé de finalement, choisir le c'est dernier pas. personnage. Si j'y arrive pas, je change de nid, Ouais, change de moi. jeu. Je vais vous montrer un peu le Fight. Tekken Bowling. Si j'y arrive pas. Et niveau durée de vie, certes, le jeu. Certes, enfin, malgré que le jeu est. Enfin, que le mode Devil Waiting, il est absent dans ce Tekken Tag. Dans ce Tekken Tag, n'importe quoi. Dans ce Tekken Dark Resurrection, la durée de vie est assez longue. Du fait de son mode de finir le mode histoire avec tous les personnages, de faire le mode dojo, de choisir les mini-jeux, de débloquer bien sûr les mini-jeux comme le Tekken Bowling, la chrono, etc. Ça, c'est malgré ça, le jeu est assez long. Malgré ça, le jeu de combat est assez long. Et ça, c'est pas mal. De toute façon, Tekken a l'habitude d'avoir des. Ils ont l'habitude d'avoir des jeux assez longs, qui a toujours des choses à faire, des choses à débloquer, etc. Bon, des trucs à débloquer et il a une excellente rejouabilité, ça c'est clair et net. En même temps, ça date pas d'hier, les jeux de combat aussi. La plupart des jeux de combat, c'est clair, ils dotent d'une excellente rejouabilité, que ce soit surtout les grosses licences comme Tekken, Dead or Alive, Virtua Fighter, Street Fighter, même le dernier Mortal Kombat. Ah là, je l'ai battu, super. Bref. Mais c'est vrai qu'on aurait préféré avoir un mode multijoueur. Ça aurait été sympa, ça aurait rajouté encore plus. Enfin, la durée de vie aurait été rallongée et ça aurait rajouté un grand intérêt pour ce jeu-là, malgré qu'il a déjà un grand intérêt. Ensuite. Déjà, ce jeu aussi, ce qui m'a surpris, et ça, je l'avais vu dans Tekken 5. Et on retrouve aussi dans ce Tekken Dark Resurrection, bien sûr, comme j'ai dit, c'est Tekken 5 avec quelques petites améliorations et avec quelques inconvénients comme le Devil Waiting. Bon, certes, je m'appête un peu, mais bon, bref. Et la particularité, et ça, c'est vraiment une bonne idée, c'est un truc vraiment assez sympa, c'est que les personnages parlent dans leur langue natale. C'est-à-dire, Jin Kazama va parler en japonais, Marshall Law va parler en anglais. Lin Xiaoyu va parler en chinois et Warang parle en coréen. Par contre, quand j'entends Warang parler en coréen, j'ai l'impression que ça change pas trop du japonais. C'est bizarre. Bref. Ça, c'est vraiment sympa. Bon, certes, on pourra faire la réflexion du dire comment ils arrivent à se comprendre alors qu'ils parlent pas la même langue, les deux personnages. Mais ça, après, c'est du chipotage. Du moins qu'il y a ça, pour moi, c'est vraiment un grand intérêt. C'est vraiment très sympa. Concernant les musiques, certes, les musiques seraient, comment dire, c'est toujours les mêmes, etc. Ils se ressemblent, les morceaux se ressemblent, mais sinon, les musiques sont sympas, ça colle plutôt bien à l'ambiance, ça c'est sympa. Après, certes, on peut reprocher que les personnages de Tekken sont pas trop bavards, mais bon. Est-ce que c'est vraiment un gros inconvénient que les personnages sont pas trop bavards? Je ne le crois pas. Bref. Après, bien sûr, malgré tout, c'est un jeu que je conseille. Bien sûr, c'est toujours l'un des meilleurs jeux de la PSP. Il a pas pris une ride malgré qu'il est sorti en 2006. Vous jouez à votre PSP maintenant, il a pas pris une ride. Et voilà quoi, c'est vraiment un jeu que je conseille. En plus, c'est un jeu qui coûte pas très cher. Maintenant, vous pouvez le trouver à moins de 15 euros, voire même moins de 10 euros. Et même si vous avez par exemple une PS3, vous pouvez télécharger sur le PlayStation Store. Bon, après, j'ai pas essayé, donc je peux pas vous di dire. Mais d'après des informations, les graphismes ont été rehaussés en 1080p. Ça peut être sympa. Par contre, j'espère que ça engendre pas des bugs. J'espère, mais ça je ne sais pas. Bref. Ah, ça aussi c'est sympa, malgré que les personnages des KO, on peut l'enchaîner comme ça. Ça aussi c'est un niveau assez sympa quand on voit les arrière-plans, les personnes qui soutiennent peut-être l'adversaire ou autre, mais bon bref. Faut toujours la même chose, mais bon, c'est pas très grave. Je crois qu'après ce combat, je vais vous montrer le mode dojo et après j'en ai arrêté là pour aujourd'hui.
Bon après certes je fais pas beaucoup de jeux PSP, ça fait ma troisième jeu vidéo test de jeu PSP. Ma première vidéo test c'était sur Soul Calibur pour Kenessi. D'ailleurs je pense que je vais la refaire cette vidéo avec cette qualité là, parce que c'est vrai qu'à l'époque j'avais filmé ma PSP et la qualité était pas terrible. Mais bref, donc là j'ai pas affronté Jin Kazama parce que je veux pas trop vous spoiler la fin. Bref, mais oui j'en étais à... J'en étais... Oh je sais même plus où est-ce que j'en étais. Ah je me suis perdu dans mes mots. Bref. Donc là je vais appuyer sur Start, je vais aller en mode principal. Je vais revenir au menu principal. Pour vous montrer un peu le mode bonus, les Tekken Bowling que je trouve vraiment très sympathique. De toute façon, les mini-jeux dans les Tekken, ils sont vraiment sympas. Surtout dans Tekken 3, d'ailleurs Tekken 3 c'est mon... C'est mon Tekken préféré, selon moi. Là, je choisis Marshall Law. C'est mon Tekken préféré. Et les mini-jeux qu'il y avait dedans, c'était vraiment excellent. Par exemple, il y avait un mini-jeu où c'était un sorte de beat'em all. C'est vraiment sympa, ça. J'ai vraiment adoré. J'ai vraiment squatté. C'était vraiment fun. Et aussi un autre mode aussi que j'avais vraiment squatté à fond, c'était le comment s'appelle le un mode en sorte de volleyball là. Je sais pas quoi, sans filet par exemple, il y avait une balle, on donnait des coups, etc. Ça peut toucher le personnage si le coup est trop puissant. Bref, c'était vraiment un mini-jeu assez sympa. Moi j'ai fait un strike, je suis content, c'est vraiment sympa. Voilà. De toute façon, ce mode de jeu, je vous en parlerai davantage dans mon test de Tekken 3. Parce que bien sûr, je compte faire le test de Tekken 3. Après Tekken 4, j'y ai très peu joué. Le 5, bon, j'y ai un peu joué, mais voilà. Après le 6, j'ai joué qu'une seule fois. Je l'ai sur 360, mais j'y ai joué qu'une seule fois. Il faudrait que j'y joue davantage pour que je puisse vous faire un test plus tard, parce que bien sûr, c'était prévu. Voilà. Par contre, dans le mode bowling, là par exemple, le truc est un peu trop puissant. Là, vous voyez que le Barchalou est parti avec la boule. Et ce malgré que j'aurais fait un strike, ça serait considéré comme une faute quoi. C'est-à-dire que par exemple, même si on fait tomber toutes les kills, les points seraient pas pris en compte. Bref. Cette arène avec les nanas là. C'est une arène, j'ai plus l'arène de qui d'ailleurs, bref. Ah voilà. T'as fait un strike? Non, pas de strike. Tant pis. Bon, allez, je vais essayer d'éliminer cette dernière qui à la tête de. À l'effigie de Mishima. D'aller chercher Mishima et après j'en ai arrêté là. Attention. Ah, voilà, j'ai réussi. Bref, je vais en arrêter là pour aujourd'hui. Alors, c'était 6K qui vous a fait la vidéo test et la présentation de Tekken Dark Resurrection sur PSP. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos tests et d'autres présentations. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine tout le monde. Allez, ciao ciao !